Salut à toutes et à tous les potos, c'est Xamax, on se retrouve pour un nouveau glitch aujourd'hui. Aujourd'hui dans ce glitch, je vais vous montrer comment faire des duplications massives en solo. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que vous aurez besoin. Déjà en première étape, il faudra vous mettre en visée libre. Donc voilà, c'est là, allez, visée libre. Si vous savez pas comment changer le mode de visée, vous allez aller dans en mode éditeur, en mode histoire, et vous pouvez retourner dans les paramètres. Alors les potos, là vous demandez pourquoi, comment que j'ai mon téléphone là, et une vidéo est sortie, elle sera en description si j'y pense. Du coup les potos, ce qu'il vous faudra, ça sera un centre d'opération mobile. Ensuite il va falloir avoir, et là il va falloir débloquer des missions, etc. Alors là par contre je sais plus comment que j'ai fait. Et un conseil, alors c'est soit les deux combats, la salle d'arcade là qui est 1 235 000, ou le bunker qui est vraiment en promo. Moi perso c'est ceux là que j'ai. Voilà, ici ils sont hyper proches. Il vous faudra avoir ça, du coup salle d'arcade et bunker, excusez-moi. Et après il vous faudra soit la LED rétro custom à 900 000, ou la ici anticipation à environ 4 millions de customisation. Et du coup c'est parti pour vos duplications. Et aussi il vous faudra plusieurs tenues sur vous, et aussi un peu d'argent en liquide sur vous, car on en aura besoin pour le jukebox. Alors pour ceux qui ont la salle d'arcade mais qu'ils ont rien dedans, il va falloir faire quelques missions les potos. Voilà, donc c'est pas versement, c'est... Ah bah moi c'est bon, j'ai 500, mais je préfère mieux anticiper le truc. Voilà, j'ai 3000 sur moi. Donc les potos, c'est parti, on va commencer par la première étape du glitch, c'est prendre votre véhicule à dupliquer. Alors moi, si je me rappelle bien, il est dans mon centre de version mobile. Aussi un truc à vous dire, bonne année à tous les potos. N'hésitez pas à abonner, liker et commenter pour m'encourager à continuer à faire des autres vidéos GTA. Et donc c'est parti les potos. Donc votre véhicule, ce que vous allez faire, vous allez le placer ici au niveau de la dalle. Et ici, je répète bien, ici. Vous collez bien la dalle. Hein. Bon, c'est peut-être pas obligé, mais... Moi la roue, genre je la mets comme ça la roue. Et après vous allez laisser la porte ouverte. Voilà. Ensuite vous allez faire pad, vous allez rester appuyé sur pad, style, et vous changez de tenue. Regardez en bas, il y a un rond orange qui se fait. Donc maintenant on va à la salle d'arcade. C'est parti les potos. Alors les potos, je vais mettre ça en accéléré, comme ça j'essaie de faire le moins de coupures que je peux. Donc voilà les potos, c'est parti. Alors les potos, n'hésitez pas aussi à vérifier si votre porte de sous-sol est ouverte. Hein. Donc c'est parti. Oh, hop, je vais vérifier, elle est fermée. Alors les potos, là c'est là que tout va se jouer. On va aller au jukebox. Et là vous allez bien m'écouter. Donc vous approchez, ça va vous faire flèche de droite. Donc vous allez faire flèche de droite. Et vous allez vérifier si vous avez une piste grisée. Moi, rock classique. Alors grisée, c'est quand vous voyez pas la douleur, regardez. C'est la musique, regardez. Vous voyez, regardez que là, ça, la rock classique, c'est liste en cours. Donc maintenant vous allez faire option si vous avez une piste grisée, en ligne, crew,
classement, IGN crew, voire membre. Et là, c'est pour ça que je vous ai demandé de mettre, le mode de visée en fait. Donc là, vous allez cliquer sur un joueur au hasard. Vous allez faire rejoindre partie, en espérant qu'ils soient pas en mode de visée autre que nous. Et regardez, ça vous met... Alors vous acceptez le premier message et celui-là vous le refusez. Donc voilà, maintenant ça vous remet, ça vous fait quitter le jukebox, donc vous allez y aller dessus. Regardez. Vous allez faire option encore une fois, en ligne, pack d'entrée dans le monde criminel, vous quittez tout de suite, et vous allez faire activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission, un travail de titan, vous le lancez. Et ça vous met, cette activité n'est plus disponible. Donc vous faites OK. Là vous voyez que vous êtes frais, écoutez, regardez, vous avez juste le menu qui bouge. Donc vous allez faire encore une fois option, en ligne. Et là vous allez faire acheter des paquets de Dollar Shark. Donc vous allez quitter. Voilà, vous êtes débugué. Alors ne faites pas trop rond parce que sinon ça va faire bugger. Et ne faites pas croix, parce que si vous faites croix ça va valider une chanson. Donc vous faites pas croix, genre vous marchez tranquillement, vous avez le temps. Et il faudra aussi prévoir des élégies. Alors là par contre j'ai fait une grosse boulette, je vais peut-être oublier de le dire. Au pire je préviendrai dans la vidéo. Donc vous allez aller dans le garage. Alors je vais vous montrer comment les enchaîner aussi. Hein. Regardez, vous voyez qu'il y a encore des duplications ici. On va passer par là. Alors là aussi, là pour l'instant le glitch il est réussi. Mais il va quand même falloir tout de même m'écouter. Vous allez monter dans un véhicule. Et vous allez choisir une musique au hasard. Moi par exemple je prends pop. Vous allez faire croix. Et vous voyez que mon personnage il est parti en haut là-bas. Et ça vous met confirmé ou non. Et bah vous accélérez. Et voilà, votre personnage est réapparu. Si vous sortez sans le véhicule, c'est une grosse bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle franchement. La Ligue elle est gratuite pour ceux qui veulent savoir. Bah, pour certaines personnes bien sûr. Donc les poteaux, regardez, il y a le véhicule ici, donc on va monter dedans et on va aller l'emmener dans le centre d'opération mobile. Dépôt de véhicule plein et votre duplication est réussite. Vous remontez dedans, vous ressortez. Vous allez regarder votre véhicule comme tout à l'heure. Là, je vous montre comment enchaîner. Hein. La porte est ouverte. Donc là, on va changer de style et je vais bien attendre le rond jaune. Venez, regardez. Voilà, le rond jaune il s'est fait. Et alors là, regardez, vous allez voir qu'on peut plus sortir du bunker. Donc je vais vous montrer comment sortir du bunker. Alors du coup là il faudra aussi m'écouter. En même temps, dites-moi si je vous explique bien. Je fais de mon mieux pour vous expliquer, c'est un peu. C'est pas trop une activité que je pratique bien, mais bon. Alors du coup là, dès que vous êtes dans votre centre d'opération, vous sortez lambda comme ça, lambda, hein, voilà.
et vous allez descendre de votre centre d'opération mobile. Vous allez faire pad, véhicule imposant, centre d'opération mobile, renvoyer. Vous patientez qu'il se renvoie. Voilà, c'est bon, il a dit. On fait comme on a fait au début. Hop, et voilà, voilà. Donc on patiente pour le chargement. Voilà. Donc là, on revoit. Bah moi perso, je vérifie si la porte elle est toujours ouverte, on sait jamais. Et là les poteaux, vous allez du coup refaire comme vous avez fait au début. Jukebox. Ensuite vous allez faire option en ligne, crew, classement, ceci, hygiène crew, voire membre. Après vous allez aller sur une personne au hasard, par exemple rejoindre partie. Là ça n'a pas fonctionné donc on va voir quelqu'un d'autre. Oui et non. On accepte le premier message, on refuse le deuxième. Du coup ça va nous remettre le message comme quoi si on veut vraiment aller au jukebox, moi j'ai accepté. Alors vous avez vu que ça me l'a pas mis, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que je viens de recliquer dessus. Donc vous allez faire en ligne, pack d'entrée dans le monde criminel. Hop, vous quittez. Activité, jeu activité, créé par Rockstar, mission, un travail de titan. En fait vous faites comme vous avez fait il n'y a pas longtemps. Donc là ça fait cette activité n'est plus disponible, c'est tout à fait normal. On est freeze, donc option en ligne. Acheter des paquets de acheter des paquets de dollars charcadés, excusez-moi. Vous quittez. Et voilà. Du coup maintenant vous allez aller. Allez ici, en plus c'est une ici anticipation, pardon, désolé poteau, je m'en excuse. Donc on monte dedans, on accélère, vous voyez que notre personnage est parti là-bas, on accélère, il est réapparu. On remonte dans là ici et on fait comme tout à l'heure, on la sauvegarde. Donc ça va pas tarder à être la fin de la vidéo. On valide ceci. On fait ça. Et donc on ressort et ainsi de suite. On rechange notre tenue. Donc là, là je termine comme ça, puis après. Et donc, voilà les poteaux. Et donc, voilà les poteaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à partager la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Xernox. Ciao et encore une fois, bonne année.